c'est pas une grosse surprise puisqu'on n'était pas du tout favori vu notre saison. Après, voilà, on en a parlé hier. On savait qu'on pouvait faire un petit hold-up si on était tous dans notre game. Malheureusement, ça n'a pas suffi et c'est pas passé. Alors, la Ligue, je trouve ça un petit peu dommage qu'elle se soit déroulée en online parce que sur Call of Duty, il y a beaucoup de soucis en online. Ça peut être souci de DDoS comme il y a eu pour beaucoup de matchs, des problèmes de connexion pour pouvoir se rejoindre, etc. Ou même tout simplement les problèmes qu'on a in-game. Voilà, un host est forcément avantagé par rapport à un autre. Donc c'est un petit peu dommage. Après, je sais que c'est pas forcément évident de faire que des matchs en LAN. Mais bon, ça c'est un, je pense que c'est le plus gros problème pour moi de cette ligue. Après, nous, en termes d'équipe, ça s'est vraiment mal passé. Pas pour ces raisons-là, parce que ça marchait pas, tout simplement. Et quand une équipe marche pas, ben on a beau essayer plein de choses, ça passe pas quoi. Alors les formats des relégations, de notre point de vue en tant que, en étant dans la saison et en descendant, je trouve ça vraiment bien fait. Un BO7 c'est bien. Après les équipes qui montaient, c'était sur un tournoi online aussi, donc toujours les mêmes soucis en termes de online, surtout pour des tournois, enfin c'est pas vraiment évident d'avoir forcément les meilleurs. Mais bon, là, on a joué des bonnes équipes et le fait, je pense, qu'elles aient terminé leur match pour les placements à cet événement-là, je pense que c'était vraiment une bonne chose. Donc, le format des relégations était vraiment bien fait, je trouve. Alors, on va faire en deux formats. D'abord, le futur de Pulse, ben, ça va être de reformer notre équipe, tout simplement, parce que celle-là ne marche pas. Donc, essayer de se reconstruire, d'avoir une nouvelle base. Je ne sais pas si je serai dedans, mais je pense qu'avec d'autres joueurs, en gardant une certaine base, ça pourra faire quelque chose, parce qu'on a quand même des joueurs avec bonnes individualités. Et là, quand je dis des joueurs, c'est pas forcément les 4 joueurs qui étaient là, c'est tous les joueurs dans l'ensemble. Je compte Jayce aussi dedans. Manquait peut-être un tout petit peu d'expérience, mais ça vient avec le temps. Donc je me fais pas trop de soucis pour l'équipe. Je pense qu'elles peuvent faire de bonnes choses lors des tournois de relégation, et pourquoi pas se requalifier pour une prochaine saison. Après, de mon côté, j'arrive à une période où je suis quand même assez âgé, je pense arrêter la compétition depuis un petit moment déjà. Je me disais que tant que je faisais des résultats corrects, je continuerais. Là, ça devient un peu compliqué. Et c'est vrai qu'après cette saison-là, qui a été vraiment compliquée, même mentalement, je pense arrêter. Après, il faut que je trouve une équipe, enfin, des gens avec qui j'ai envie de jouer vraiment, pour voilà, avoir une vraie motivation et une base de travail et pouvoir continuer à performer. Alors, si j'avais répondu ça juste avant le début du match, j'aurais dit que LDLC ne passait pas, que c'était Tempo qui se qualifierait. Ensuite, je vois les équipes qui étaient dans la ligue restées, donc Vitality et Giants. Après, là, le match est bien parti pour LDLC parce qu'ils avaient gagné la première map, ils ont fait un gros comeback. Mais donc je leur souhaite de se qualifier, hein, d'ailleurs. Mais voilà, pour moi, c'est Giants et Vitality qui resteraient dans la ligue. Alors, moi, l'équipe, enfin, en fonction des derniers résultats, j'aurais tendance à dire Infuse. C'est une équipe que j'aime beaucoup en plus. J'aime beaucoup leur style de jeu. Je trouve qu'ils privilégient vachement le jeu d'équipe. Après, les Millennium peuvent individuellement être très forts. Il y a aussi les Splice qui ont fait de bonnes perfs lors de la Ligue. Je pense que ça peut se jouer entre ces trois. Je dirais Infuse en premier. Et ensuite, je pense que ça se jouerait entre Splice et Millennium. Je mettrais peut-être Millennium second. Je voulais remercier déjà ESL et toute l'organisation pour ce moment-là, même si ça reste assez court, parce qu'au final, c'est que pour un match. Mais voilà, ça a été bien fait. Malheureusement, bon, la Ligue était en online, mais je pense qu'ils font leur maximum pour nous, en tant que joueurs. Ils essaient de penser au maximum à nous en fonction de ce qu'ils peuvent faire. Donc je voulais remercier par rapport à ça. Je voulais aussi remercier l'équipe Pulse et tous ceux qui nous ont suivis, même si c'était un peu plus dur forcément à la fin de la Ligue qu'au début.